Salut et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une chanson de Roméo Elvis. Drôle de question. Je fais une petite version un peu funky. Je pourrais pas dire à 100% que c'est ce que lui fait. Voilà, j'ai trouvé ça. J'ai fait un medley de ce que je ressentais dans des covers et de ce qu'il lui fait sur sa super Gibson Les Paul. Donc, c'est parti. On a deux positions, une première position que moi je vais appeler un si mineur 7. Alors les puristes des accords de ce style qui sont pas du tout des accords standards, moi c'est pas mon style de jeu, ni le funk, ni le blues, vraiment typé, c'est pas, voilà, ni le jazz. Donc moi j'ai décelé les accords. Le premier je l'appellerai si mineur 7, donc doigt 1 en case 7 de la grosse corde. J'étouffe la deuxième corde avec mon doigt 1, puis doigt 2 en case 7 de la troisième corde partant d'en haut, en dessous le doigt 3 en case 7 également, et le petit doigt encore en case 7, et j'étouffe la dernière corde avec le petit doigt. Ça va pas être un tout super accessible à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Ok, et la deuxième position, en fait on garde le doigt 3 et le doigt 4, on va juste monter le doigt 2 en case donc 7 de la deuxième corde partant d'en haut, et descendre le doigt 1 en case 6 de la troisième corde partant d'en haut, et on essaie d'étouffer la grosse corde avec le pouce si possible. Voilà. Donc du coup, ça sera plus un mi 7-9. Pareil, les puristes, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à nommer l'accord. Vous prenez pas trop la tête, arrêtez de parler et jouez, c'est le plus important. Là, on va faire une rythmique pour les deux accords qui fera ba, ba, o, 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 ba, o, et un ba, o à vide, parce qu'en fait, je relâche la pression pendant que je change ba, o. Donc ça fera donc ba, ba, o, 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 ba, o, je relâche la pression, ba, o, et je recommence. Ba, ba, o, 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 ba, o, je relâche la pression, je fais ba, o, je vais le faire en ralenti. Ba, ba, o, 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 ba, o, je relâche la pression, ba, o, je change d'accord. Ba, ba, o, 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 ba, o, ba, o. C'est franchement compliqué, je trouve, il faut vraiment l'entendre et le cerner, donc si on fait la rythmique. Donc le problème c'est que le bao, quand je vais le faire en étouffé, on va tout entendre vraiment pareil, hein, c'est-à-dire ba, ba, o, 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 ba, o, ba, o. Sauf qu'en réalité, comme ça va créer un son un petit peu plus étouffé, puisqu'on est en train de changer d'accord sur le dernier bao. Donc vraiment rythmiquement au niveau de la main droite, il faut avoir ce. Voilà. Ba, ba, o, 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 ba, o, ba, o. Et du coup ça donnera avec les accords. Je vais vraiment jouer avec les pressions des doigts sur les accords et la relâcher à chaque fois. Ça va te donner un côté un peu plus cocotte, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est parti. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, ça va vraiment être pour les gens qui sont plus autonomes, qui ont besoin de juste des accords et d'entendre la rythmique, de la comprendre, pour vraiment pouvoir bien la jouer. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de liker, partager. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, abonnez-vous. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans la guitare, pour jouer tout ce qu'on entend à la radio, bah, n'hésitez pas à aller voir le lien qu'il y a dans la description. C'est le début des bases pour commencer à être autonome avec sa guitare. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.